Bonjour à tous, alors avec le 90, on se retrouve pour la suite de notre aventure, de notre Let's Play Pokémon Soul Silver, Venom, Hardcore. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, et donc dans l'épisode précédent, on est parti chercher Ho-Oh. Enfin, capturer Ho-Oh, mais c'était pas Ho-Oh, hein. Si jamais vous voulez savoir, vu que l'ordre de mise en a changé pas mal de choses, hein, ça veut dire que le Ho-Oh, on aurait dû avoir, c'était pas Ho-Oh. Je vous invite à regarder l'épisode précédent, là vous aurez une belle surprise. Et donc, par la même occasion, vous vous rappelez, j'ai pu capturer un Mantali. Alors, je sais pas si vous le savez, mais Mantali c'est mon Pokémon préféré. Du coup, pour l'avoir, j'ai dû sacrifier deux de mes Pokémon. Mais, tout ça c'était dans l'épisode précédent, alors je vous invite d'aller la regarder. Et donc j'avais un Riolu, mais ça me faisait chier parce que pour le faire évoluer il faut qu'il soit super heureux, enfin bref, t'as pas mal de trucs à faire. Et du coup j'ai un petit peu laissé tomber, même s'il avait de bonnes attaques et de bons stats. Mais bon j'ai pris Mantali et Voltali. Alors on va regarder un petit peu Mantali. Donc je l'ai monté jusqu'au niveau 40, bientôt 41. Donc c'est un Pokémon de type sol, là écrasement. Ah non, on va d'abord regarder un petit peu ses stats. Bon, attaque 37, c'était de la merde. Avant c'était pire, mais je pouvais donner genre des objets pour monter son attaque. Enfin bref, c'est monté jusqu'au 37. Bon, c'est pas non plus ouf. Défense 89, attaque SP 74, défense SP 115 et vitesse 80, c'est plutôt pas mal je pense, mis à part l'attaque moins nordique. Alors justement, parlons de cette attaque, donc écrasement 75-10 de type dragon, ouais, plutôt bien. Pouvoir antique 50, précision 90, bon ça c'est pas top. Intimidation, le rang de mise a fait que cette attaque soit de type insecte. Bon, why not, hein. Ça paralyse n'importe quel des Pokémon, donc ça c'est plutôt cool. Et je dois ajouter rayon lune parce que voilà, le mec dit ça, que je dois donner un des Pokémon dans cette attaque, hein. Donc je l'ai donné à Mantali. Donc c'était cool. Donc à Poliwhirl 62. Alors, Dracoff au niveau 53, la dernière fois il m'a semblé qu'il était au niveau 50 ou 51. Florizarre, c'était mon premier Pokémon. Donc là il a pris Balbrune et je lui ai fait apprendre contre feu, il me semble. Je sais plus qui a pris. Dans lui-même, je me souviens plus trop. Alors là vous avez déconné. 145 de puissance d'attaque et une précision de 100. Sachant que je suis meilleur en attaque SP qu'en attaque physique, quoi. C'est trop ouf. Point de feu, voilà. Croque-feu, voilà. Force, voilà. Donc voilà, c'est comme un bon Pokémon. C'est pas non plus un des meilleurs. Alors, on dégage. J'ai Simabrage. Niveau 57, il a pris aucun d'attaque spéciale. Alors j'ai aussi Voltali. Lui je suis un petit peu mitigé, hein. Attaque 65, défense 59, attaque SP 88, défense SP 74 et vitesse 187. Donc ça c'est le meilleur truc, honnêtement. Une vitesse de 187, la double dard. Atterrissage, ça permet de récupérer un petit peu de PV. Rayon gemme, bof, clonage, ouais, bon. C'est pas non plus oufissime. Alors, pour Voltali, je vais prendre une limite en expérience, puis je vais le donner à Voltali. Après je vais remettre à Voltali, mais c'est pas non plus
voir le professeur Chen. Peut-être qu'il va nous mettre une branlée. Allez, oui, tu as fait un long chemin pour arriver jusqu'à Kanto. Alors, qu'en penses-tu des dresseurs du coin? Plutôt fort, hein? Oh, tu t'es mise à collectionner les battus Kanto. Ça doit être difficile, mais l'expérience que tu vis t'en rend plus fort. Continue à tout le monde voir. J'ai un cadeau pour toi, bonne chance. Mon petit Red est parti en voyage, mais il n'en voit aucune notion de ce qu'il fait. Même s'il se trouve, s'il n'est pas donné de nouvelles, je m'inquiète un peu quand même. Ah, c'est pas bien de ne pas donner de signe de vie à sa mère. Donc là, c'est la maison de Blue, là, c'est sa aventure. Tu vois, le championnat de l'année, mais souvent absent, ça pose beaucoup de problèmes entre soeurs. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors, c'est quoi les premiers Pokémon qu'on va avoir? Maganon! Ah putain, un bruit. On a trouvé un Maganon. Ok, pas très efficace. On va essayer les dégotages. Bah, moi. Ça, c'est chiant, ça. De capturer vite parce que sinon je vais faire un... sinon si elle me brosse va dormir, on va essayer d'éviter ça. On va pas donner du surnom. Ah chiant, mais jamais chez un livret quoi. Ah, on a pu avoir un Porygon Z. C'est pas ma carte les Porygons. Hein. Ça, elle a pas gueulé. Bon, je ferai ça dans l'épisode prochain parce que là. Oh putain. Il se tourne sur lui-même en nageant. Ouais. Donc, Ramazine, normalement, Blue est là. T'es qui toi? Je suis Blue, l'homme qui a conquis tout Kanto et qui est devenu maître Pokémon. Enfin bref, sauf que Red est venu me gâcher la vie, je suis pas assez maître bien longtemps. Vu qu'on s'en regarde un peu ça. C'est juste une petite éruption volcanique pour détruire une ville entière. On a beau gagner et perdre des combats de Pokémon, la nature n'a qu'à trembler. Il n'a pas une doute. Bref, je suis un dresseur. Quand je crois que vous êtes fort, toute la force, si tu veux vraiment montre-moi comment t'es pas, je te continue à récolter 6. Ce n'est pas suffisant pour te battre contre moi. Ok monsieur. Bon, on va aller soigner nos Pokémon. Je sais pas comment je vais faire parce que je vais faire des coupures je crois ou accélération, je suis obligé. Je suis obligé si je veux que la vidéo soit prête pour demain. Ça fait chier. J'ai un peu
quoi là? Ah bah c'est là. Alors on va se garder parce que mine de rien ça peut me faire mal. Ah, elle va me parler. Merde, putain, là, j'ai quand même pas cette attaque là. C'est de l'anti-jeu là. Gros chien, putain. Les mecs ils veulent pas mourir. Attends, j'espère lui. J'espère que lui peut me guérir. Ah, Uracine. Alors, en plus il pleut. Allez, c'est pas grave, quand tu veux. C'est quoi cette attaque? Ok. Ah, c'est dégotage. Ah, c'est pire. Putain, c'est tendu là. Normalement je devrais avoir le dessus mais je sais pas pourquoi les Pokémon ici sont hyper costauds quoi.
Ah tiens, vous, ça peut faire mal. Ah merde, tu fais chier toi. Tu fais chier bordel. Et horreur parce que... Parce que là ça devient un petit peu tendu là. A chaque fois j'utilise de l'hyperpotion... Putain, elle fait pas le boulot à moitié, bordel. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas si on va pouvoir le battre. Ok, Ez, on l'a eu. Ah, elle a pas tenu. Ah, j'ai trop eu de la chance. Ah, ouah, la reine de Kramatia a été engloutie par le volcan, mais il en faut plus pour me battre. Tu vois, c'est une crotte, on l'a modifiée pour que je puisse continuer à faire mon travail en tant que champion. Si tu arrives à me battre, je te donnerai un badge. On y est, allons-y. Allez. Trois Pokémon égale. Ah, elle a tenu l'enculé. Elle a raté le vol lui. Oh, critique, moi, c'était génial. Low class, ah ça, en gros j'ai jamais battu un low class. C'est une digestive. Ah, enfin les gotages. Trop fête, sérieux. Ah. Ok, tombe amoureux, là c'est chaud. On va mettre un colis. Ah, ici les tranchères, la meilleure attaque. Ah, c'est GG. Putain, la tenue. Super efficace. King, on va changer de Poké. On va essayer Mambrise.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est sur la partie hyper rapide, donc je préfère jouer là-dessus. Bon, rien. Putain. Donc bah, du coup ils vont me gagner en vitesse et il pue. Oh putain, la seule attaque que je déteste en plus, hein. C'est au mur. Ouais, c'est ce mur. Ah, ok. Peut-être va le battre ce tour-là. S'il n'utilise pas d'hyper potion, parce que s'il fait super hyper potion. Putain. Ça doit être un Pokémon de style normal. Je pense que s'il avait pas raté le Sommir de tout à l'heure, je pense qu'on l'aurait battu tranquillement. Bon, c'était un petit peu tendu, hein. Je vais pas vous mentir. J'étais pas tranquille, hein, pendant tout ce combat. Je pensais que j'allais pas le mettre. Hein. Bon, on a obtenu la CT50. Alors.